Alors, les objectifs de cette activité sont multiples. Donc, le premier, ça va être de permettre de développer la motricité fine. Le second, d'être dans les sens et la sensorialité. Le troisième, de travailler sur le souffle et la respiration. Et pour les enfants qui sont en âge d'acquisition de la propreté, il peut y avoir aussi un petit objectif, parce que déchirer un petit bout, c'est un des apprentissages nécessaires. Donc, dans un premier temps, vous pouvez utiliser tous les papiers de récupération que vous avez sous la main, des vieux catalogues, des catalogues publicitaires, des brouillons, et avec vos enfants, vous allez pouvoir venir les déchirer et ainsi former des petites boules. Donc ça peut être des grosses ou des toutes petites. En portant votre attention sur le bruit, et je prends le temps de sentir la texture des différents papiers entre mes mains. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Pour les plus petits, entre 1 et 2 ans, ça va être surtout l'activité de déchirer et de souffler. Avec des papiers plus légers, ça peut aussi s'envoler et c'est plutôt rigolo et joli à regarder. Et pour les plus de 2 ans, vous pouvez prendre une petite paille. Ce qui peut être intéressant, c'est de souffler doucement, puis d'expérimenter en soufflant un peu plus fort ou encore plus fort. On peut faire tout ce qu'on veut avec des crêpes par terre, ça s'efface rapidement et ça nécessite pas de ménage. On peut même transformer et utiliser tout autre matériau, des plumes, n'importe quoi qui vole, et traverser la maison avec sa petite paille ou son simple souffle.